Ce soir, je vais vous rappeler un classique, en fait, sur les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Quatre dimensions de l'amour de Dieu. Alors, Éphésiens chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Et c'est important que nous puissions nous rappeler cela, les quatre dimensions de ce grand amour, l'amour qui s'est manifesté à la croix, l'amour qui est plus grand que l'amour des hommes. Verset 14, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen, amen. Amen. Le semeur dit ceci, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit? Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne dans laquelle nous sommes est bâtie sur l'amour. Le plus grand message du christianisme, c'est le message d'amour. Dieu qui aime les hommes et qui exprime cet amour en donnant son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi s'il y a une révélation dans laquelle nous devons baigner, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Tout chrétien qui entre dans la révélation de l'amour de Dieu, il va vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne profonde, pleine de joie. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose d'existentiel. L'amour nous fait vivre, en fait. L'amour donne un sens à notre vie. Vous voyez, un enfant qui est entouré d'amour, qui grandit dans un environnement d'amour, il s'épanouit, il est heureux, il grandit bien parce qu'il est rempli d'amour. Lorsqu'il voit papa, il voit maman, il sait qu'il est aimé, il peut courir dans tous les sens, il peut sauter parce que l'amour l'épanouit. Mais un enfant qui est frustré, étouffé, insulté, méprisé, il grandira mal. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aimé. Alléluia. Amen. L'amour nous épanouit. Voyez les gens qui s'aiment, qui se marient. Je ne parle pas des gens qui regrettent le choix qu'ils ont fait. Non, je parle des gens qui, chaque matin, bénissent Dieu pour leur conjoint. Ils sont heureux. L'amour nous rend heureux. Et l'apôtre Paul nous présente les quatre dimensions de l'amour de Dieu. J'aimerais nous les rappeler ce soir. La première dimension, il parle de la largeur de l'amour de Dieu. Ça sous-entend son caractère universel. L'amour de Dieu est large. Il ne dépend pas de rang social, ni de race, ni de niveau intellectuel. Riche, pauvre, grand, petit, noir, blanc. Il aime tous les hommes. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'amour de Dieu est large. Il prend tous les hommes de toutes les natures. Il ne choisit pas. Si tu vois Jésus, tu le verras avec le jeune homme riche. Tu le verras avec le mendiant Bartimée. Tu le verras avec la femme prostituée. Tu le verras avec la femme samaritaine de mauvaise vie. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean 4, il a chassé tout le monde juste pour gagner une âme. Il est venu au temps fixé parce qu'il savait qu'en ce temps-là, cette femme-là viendrait. Parce que la femme choisit un moment où les femmes ne viennent pas puiser. Elle a honte de sa vie. Elle a honte de sa nature. Et c'est en ce moment-là que Jésus vient. Jésus, son amour est large. Tu le verras avec Zachée, le percepteur d'impôts, un voleur reconnu. Tu le verras. Et ce que j'aime, quand Jésus vient devant Zachée, il lève les yeux. Dieu ne peut pas lever les yeux pour regarder un homme. Mais l'amour de Dieu le pousse à regarder un homme en levant les yeux. Il dit, descends, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Il était en train de passer. Il y avait la foule. Mais lorsqu'il voit Zachée, il dit, il faut que je demeure dans ta maison. La dimension de l'amour de Dieu fait que le Dieu qui passait devient le Dieu qui demeure. Le Dieu qui passait devient le Dieu qui demeure. Pourquoi? Pas parce qu'il est retenu par l'éloquence de Zachée. Il n'est pas retenu par l'argent de Zachée. Il est retenu par son amour pour Zachée. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est large. La Bible dit dans Luc chapitre 19, au verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Les hommes ne peuvent pas aimer comme Dieu. Parce que les hommes ont des critères de choix. Mais ce que j'aime dans l'amour de Dieu, les critères de disqualification des hommes peuvent devenir les critères de qualification pour Dieu. Je dis à quelqu'un, là où les hommes t'ont disqualifié, Dieu peut te qualifier. Lorsqu'on demandera c'est quoi les critères, en réalité, il n'y a aucun critère. Le seul critère, c'est l'amour de Dieu.
Jésus, on le voit avec Nicodème, avec le docteur de la loi. On le voit même avec Zachée, le mort. Lazare plutôt. Le jour où Jésus entra à Béthanie, il n'est pas regardé, il n'est pas venu voir un gouverneur. Il n'est pas venu rendre visite à un homme riche. Il n'est pas venu voir un chantre. Si tu demandes à Jésus, qu'est-ce que tu vas faire à Béthanie? Il dit, je pars au cimetière voir mon ami. Il ne parle plus, il n'a rien à me donner. Mais il reste mon ami. Ça, c'est Jésus. Quand tout le monde disait, il est déjà mort, il sent déjà, Jésus était le seul à dire, il dort encore. Il dort signifie c'est encore possible. Non, ne concluez pas vite. Il ne sent pas. Il dort encore. C'est-à-dire, je peux les réveiller. Quelqu'un peut dire un grand amen. Amen. Dis amen à l'amour de Dieu. Amen. La largeur, mais aussi la longueur. La longueur de l'amour de Dieu sous-entend le fait que cet amour précède notre existence. Précède notre existence. Éphésiens, chapitre 1, verset 4, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il a fait quoi? Il nous a élus. Il n'y a pas élection sans choix. Il n'y a pas choix sans critère de choix. Maintenant, nous, on n'existait pas. Quel est le critère qui a fait qu'il puisse nous élire? Le seul critère, c'est son propre amour. Alléluia. Amen. Il nous a élus avant la fondation du monde. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que Dieu nous a aimés avant notre existence. Il t'a aimé avant que tes grands-parents ne se rencontrent et qu'ils aient tes parents et que tes parents se rencontrent et qu'ils t'aient toi. Et que tu puisses naître, tu deviennes bébé, que tu grandisses, tu deviennes païen, et que tu rencontres Christ, et que tu commences à parler en langue aujourd'hui. Dieu n'a pas commencé à t'aimer le jour où tu as commencé à parler en langue. Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Et je vais te choquer. Quelqu'un va dire choc. Non, dis plus fort choc. Choc. Il n'y a pas une chose que tu feras qui fera grandir l'amour de Dieu pour toi. Non, je vais te choquer encore. Quelqu'un dit choc. Même si tu gagnes 1 million d'âmes, Dieu ne t'aimera pas plus grand que quand tu étais païen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'amour de Dieu grandit selon nos mouvements, nos faits et gestes, nos réalisations. Non. Nos réalisations nous rapprochent de son amour. Mais son amour est constant, divin, puissant, grand, long. Quelqu'un peut dire un grand amen à l'amour de Dieu. J'aime la phrase du pasteur Atoms et de maman Nadège. Il dit, son amour a précédé quoi? Mes efforts de sainteté. C'est-à-dire, même pas ma sainteté. Hein? Mes efforts. Un peu de retraite. Un peu de vaincre une tentation. Et l'amour de Dieu a précédé cela.
C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de baigner dans l'océan de l'amour de Dieu. Ça rend vivante la vie chrétienne. Ça nous donne la paix du cœur. Ça renforce l'assurance du salut. Vous savez, il y a des gens qui pensent que l'amour de Dieu est une réaction. Si tu fais ceci, Dieu t'aimera. Si tu ne fais pas cela, il te détestera. Non, Dieu ne réagit pas. Dieu agit toujours. Réagir, c'est subir un mouvement et se réajuster par rapport au mouvement. Ça, c'est le diable. Il réagit. Dieu a créé, lui, il a réagi. Dieu a créé l'homme, lui, il a réagi. Dieu ne réagit pas. Dieu agit toujours. Son amour ne varie pas. Il nous a aimés. Il nous aime. Il nous aimera. Dieu est plein d'amour pour nous. Oui, Dieu est plein d'amour pour nous. Son amour est long comme ça. La longueur de l'amour de Dieu. Ça a précédé notre existence. La conscience de l'existence même de Dieu. Dieu nous a aimés avant. C'est comme quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant, mais qui l'aime déjà. Il s'imagine déjà. Et puis quand sa femme tombe enceinte, les deux sont en train de réaliser. Ils préparent la lettre. Ils entrent dans les magasins. Ils sont pressés. Bien-aimés dans le Seigneur, la création était la lettre pour l'homme qui devait venir. C'est pourquoi Dieu a créé l'environnement avant de créer l'homme. Dieu a créé les arbres, la lune, les étoiles, les oiseaux. Il les a établis. Et puis après, il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Et là, donc ça signifie quoi? Ça signifie, dans la dimension de l'amour de Dieu, il a créé l'eau avant la soif. Il a créé l'eau avant la soif. Il a créé la nourriture avant la faim. Il a créé l'air avant le moulungé. C'est-à-dire, Dieu a créé la satisfaction avant le besoin. Ah, je parle à quelqu'un ce soir et je lui dis, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Entre dans l'amour de Dieu. Tu trouveras la provision de Dieu pour toi. Je dis, tu trouveras la provision de Dieu pour toi. Dieu nous aime tellement qu'il a immolé l'agneau avant le péché. Dieu nous aime tellement que pendant que Moïse était en train de naître, les enfants d'Israël étaient encore esclaves. Maintenant, le jour où Moïse est venu libérer les enfants d'Israël, Moïse avait 80 ans. Il a fait 40 ans dans le palais de Pharaon, 40 ans dans le désert. Maintenant, les enfants d'Israël, ils ont fait combien d'années d'esclavage? 430 ans. Ça dit 430 ans moins 80. Égal combien? Bino, les premiers de la classe. Oui, église, l'église, les premiers de la classe. C'est-à-dire moins 80. C'est-à-dire, la solution était déjà née. Pour Dieu, c'était déjà fini.
La solution grandissait. Le sauveur grandissait. Dieu n'était plus là-bas. Il voyait seulement Moïse grandir. Pendant que les gens pleuraient, Moïse grandissait. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vois ta solution grandir. Je vois ta réponse grandir. Ah, je ne sais pas c'est à quoi tu t'attends, mais je suis convaincu d'une chose. La provision de Dieu est déjà là. Et au 30e jour, tu toucheras la réalité des promesses de Dieu. Je dis, tu toucheras la réalité des promesses de Dieu. Tu ne sortiras pas de ces 30 jours sans vivre les résultats de l'amour de Dieu. Si tu crois en ça, tu peux crier un grand amen. L'amour de Dieu. La largeur. La longueur, la hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur évoque le fait qu'on ne le mérite pas. C'est-à-dire c'est le résultat de la grâce. C'est un amour qui vient d'en haut pour nous attirer vers le haut. La hauteur de l'amour de Dieu signifie aussi que c'est souverainement qu'il nous a aimés. Il n'a pas été obligé de nous aimer. C'est-à-dire, s'il ne nous avait pas sauvés, ça n'allait rien changer de sa divinité. Il s'est décidé de nous sauver et il nous a sauvés. C'est fini. C'est souverainement. J'aime le souverainement. Ça signifie, il n'a consulté personne. Il n'a demandé personne. Vous savez, heureusement que Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, heureusement que Dieu est Dieu. Dis-lui. Parce que si un homme devient Dieu sur la terre, même pour 30 minutes, il y a des gens qui ne vont pas vivre. Il devient Dieu. 30 minutes. Il va utiliser 25 minutes pour se venger, rendre des comptes. C'est seulement 5 minutes qu'il va sursauter pour essayer de faire de bonnes choses. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Heureusement que Dieu n'est pas congolais. Heureusement que Dieu n'est pas africain. Heureusement que Dieu n'est pas européen, américain, asiatique. Heureusement que Dieu est Dieu et son amour est souverain. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Je viens dire à quelqu'un, les hommes pensent que tu ne peux pas être aimé de Dieu à cause de ta vie, à cause de tes erreurs. Je viens te dire ce soir, c'est souverainement qu'il t'a aimé. Un amour qui vient d'en haut. Un amour qui vient du ciel. La Bible dit de Jésus qui n'a pas regardé comme il pourra racheter d'être égal à Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. J'aime souverainement. Ça signifie qu'il n'a consulté personne. Il n'a demandé personne. C'est comme le père de Joseph. Un jour, il s'est réveillé. Il a dit, Joseph, viens. J'ai une tunique de plusieurs couleurs. Je vais te donner ça. Il lui a donné la tunique de plusieurs couleurs. Ses frères se sont fâchés. Pourquoi seulement lui? Est-ce qu'il n'est pas... Non, on ne mérite pas ça. Mais vraiment, on doit le tuer. On doit le jeter. Pourquoi seulement lui? Si moi j'étais Joseph, j'allais leur dire, je ne sais pas pourquoi moi, mais tout ce que je sais, c'est que le Père m'a aimé et il m'a donné.
Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien fait. Papa m'a aimé et il m'a donné. Non, mais nous aussi, il ne nous a pas vus. Je ne sais pas pourquoi il ne vous a pas vus. Moi, je sais que le Père m'a aimé et il m'a donné. Ne venez pas me tuer. Ne venez pas me faire du mal. Allez vers le Père. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je n'ai pas payé l'argent. Je ne suis pas plus que vous. D'ailleurs, vous êtes mes grands frères. Je ne suis qu'un petit. Je suis faible. La tunique là, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es le résultat de l'amour de Dieu. Tu es la conséquence de l'amour de Dieu. Ceux qui sont jaloux contre toi, je leur dis, allez vers le Père. Le Père t'a aimé et il t'a donné. Quelqu'un peut dire, le Père m'a aimé. Le Père m'a aimé. Et il m'a. Maintenant, moi, je te pose la question. Toi, réponds seulement, le Père m'a aimé. Et il m'a donné. Pourquoi tu es beau comme ça? Le Père m'a aimé. Mais pourquoi c'est seulement toi? Mais il n'a pas vu les autres. Hein? Mais pourquoi c'est toi qui as ces songes-là? Mais pourquoi la lune et les étoiles doivent se porter devant toi? Ah, mais et moi aussi, pourquoi il ne m'a pas vu? Mais moi, je crois que je dois te tuer. Hein? Le Père t'a aimé et t'a payé. Le Père m'a aimé et il m'a donné. Et la dernière dimension, c'est quoi? C'est quoi? Là? La profondeur. La profondeur de l'amour de Dieu. C'est lié à la grandeur de son pardon. C'est-à-dire, hein, l'amour de Dieu va dans la racine de nos péchés. Il est descendu au plus profond de l'abîme. Il est descendu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdu, chercher, ça signifie déployer les efforts, ça signifie que nous étions engloutis dans une prison sûre, parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas chercher, mais si, au-delà de son omniscience, il se met encore à chercher, ça signifie que le diable nous a placés quelque part. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 3, il dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, j'aime le mais. Parce qu'après le mais, il n'y a pas le nom d'un homme. Après le mais, il n'y a pas un diplôme. Après le mais, il y a Dieu. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Vous savez, il y a des hommes qui sont riches en argent, en voiture. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a pris très loin. Il nous a pris de très loin. La révélation de l'amour de Dieu nous fortifie dans la marche. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle de l'amour de Dieu. C'est pourquoi j'aime ce thème. C'est comme une exagération. Pas seulement Bolingo, mais Bolingo ma.
C'est-à-dire, c'est le genre d'amour hein, qui fait mal aux gens du quartier. Libala na binoté. Binoté est profond dans la kouana. Mais ceux qui ont six mani bazoleka, beaucoup mieux. Bolingo ma. Maintenant, beaucoup de gens. J'ai réfléchi. Je dis, mais pourquoi les gens n'aiment pas qu'on parle de la révélation de l'amour de Dieu? Premièrement, parce qu'ils estiment que ça va encourager le mal. Si on parle de la hauteur, de la largeur, de la longueur de l'amour de Dieu, les gens risquent de pécher. Au contraire, bien aimé dans le Seigneur, on ne prie pas pour être aimé de Dieu. C'est parce que nous sommes aimés que nous le cherchons dans la prière. Je ne me sanctifie pas pour que Dieu m'aime. Non. La Bible dit toute notre justice est une sûre devant lui. C'est parce qu'il m'aime que par reconnaissance à cet amour, je ne peux pas tomber dans le péché. La sanctification n'est pas un prix pour gagner l'amour de Dieu. Mais la sanctification est une expression de reconnaissance envers l'amour de Dieu dont nous sommes bénéficiaires gratuitement. Gratuitement. La deuxième raison, je crois que c'est psychologique, peut-être culturel aussi. C'est-à-dire, nous les humains, nous avons ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu vas interpréter ça, c'est-à-dire l'apologie de l'horrible. C'est-à-dire, nous les humains, nous aimons tout ce qui est horrible. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est sanguinaire. Ça fait la une. Je donne un exemple. Supposons que vous êtes là, un jeune homme, une jeune fille, vous entrez dans un restaurant, et puis paf, vous regardez tout le monde, vous payez pour tout le monde, tous les restaurants, mangez, servez-vous, d'ailleurs c'est un buffet. Est-ce que ce que vous venez de faire là, ça va faire la une des journaux? Est-ce que ça passera dans les médias? Pourquoi? Ça va faire quoi? Bon, il a nourri tous les restaurants et puis après. Mais si le même jeune homme, la même jeune fille, entre au restaurant, il prend une arme, il tire tous les restaurants, il tue tout le monde, là ça fera la une. Même des grands médias du monde. Alerte, alerte. À la une, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, un jeune homme de 21 ans a fait irruption dans un restaurant et il a tué 24 personnes. Du coup, pourquoi le bienfait ne fait pas la une des journaux? Mais le mal fait la une de journaux parce que l'homme est attiré vers l'horrible. C'est pourquoi si je te dis que Dieu t'aime, tu es sauvé. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Il y a comme un combat au fond de toi pour dire est-ce que c'est tout. Eh, c'est tout, c'est ça le message. Maintenant, il faut que je mette un mais. Mais tu sais, les gens sont méchants autour de toi. Les sorciers, les marabouts, les gens méchants, ils vont te tuer. Il y a des assiettes là-bas à Kimpese où on a écrit ton nom. Le va bolingoma. Moi,
Moi, j'aime l'amour de Dieu parce qu'il nous rend libres. L'amour de Dieu nous a franchis des accusations intérieures. L'amour de Dieu, je voudrais ce soir que tu puisses te rassurer que Dieu t'aime. S'il y a une chose pour laquelle tu ne peux pas douter, c'est l'amour de Dieu. Comme une mère se réjouit quand son enfant vient au monde, Dieu se réjouit les jours où tu t'es converti. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a une fête au ciel. Il y a une fête au ciel. La fête donne une dimension de l'émotion dans la chose. C'est-à-dire qu'il y a une fête au ciel lorsque tu te convertis. Recevons la révélation de l'amour de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, ce jour-là, lorsque l'enfant prodigue a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père », il ne savait pas que là-bas à la maison, la Bible dit « Chaque jour, le père se tenait à la porte ». Quelqu'un peut dire à la porte. À la porte. Le Père qui se tient à la porte, c'est la dimension de Dieu qui n'est plus dans le lieu très saint. Il a quitté le lieu très saint. Il a traversé le lieu saint. Il est venu dans les parvis. Là où il y avait les pécheurs. Il est là. Il attend son fils. Lorsque le fils vient, il est culpabilisé par ce qu'il a fait. Mais lorsque le père le voit, il ne voit pas la somme d'argent qu'il a usurpé. Tout ce que le père voit, c'est le sang qui coule dans ses veines. Il dit ce qu'il a pris importe peu, mais c'est ce qui coule dans ses veines. Nous avons le même sang. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu te voit, il ne voit pas tes erreurs, il ne voit pas tes fautes, il ne voit pas tes perfections, il ne voit pas tes imperfections, il ne voit pas ta belle voix, il ne voit pas ton diplôme. Tout ce qu'il voit, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu, non pas à cause de leur intelligence, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, je suis en train de me débrouiller pour te rappeler qu'il y a un Dieu dans les cieux qui t'aime. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Si les hommes t'ont détesté, Dieu t'aime. Si les hommes t'ont rejeté, Dieu t'aime. Si tu as connu le mépris, la haine, la honte, le rejet, l'humiliation, la moquerie, ce soir, je viens te rappeler, ressens l'amour de Dieu. Ressens l'amour de Dieu au plus profond de toi-même.